Salut salut tout le monde, alors aujourd'hui on va parler donc euh, d'un certain problème que j'ai cru résoudre et qu'en fait n'est pas du tout résolu. J'ai trouvé une, euh, une alternative pour tous les téléphones et toutes les tablettes. Donc euh, pour tout vous dire, en fait ce que j'ai oublié de préciser dans la vidéo et que j'ai dû mettre dans la description, c'est qu'il faut télécharger d'abord le Terraria 1.2.11.333. Comme version, ce qui est une version euh, avant le Terraria 6. Mais le problème, c'est que ce n'était pas les datas du Terraria 6, du coup, il risquait d'avoir des bugs au niveau des graphismes et aussi au niveau du gameplay. Donc, euh, Launcher for Terraria, en fait, fonctionne pas tout simplement avec cette version. Elle fonctionne seulement avec la. A aux dernières nouvelles, la 1.2.11.333. Et du coup, ben, j'ai dû trouver une alternative pour moi-même parce que je l'ai découvert moi-même hein, et pour moi-même. Et en fait, j'ai remarqué que souvent la solution était écrite en anglais sur le site web, jamais sur YouTube, mais sur les sites web. Donc, euh, c'est très simple. Donc cette fois-ci, c'est pas Launcher for Terraria qu'il vous faudra, c'est Winrar, hein, ou un logiciel de décompression. Donc euh, pourquoi il vous faut un logiciel de décompression Ben parce que de 1 il faut rien télécharger. Et de deux, c'est parce que Terraria, quand il met Cloud Non-Food External OBB Data, c'est parce qu'il ne trouve pas la manière d'extraire les fichiers des OBB. Donc le téléphone ne lui permet pas d'accéder aux OBB. Donc vous devez y aller par vous-même, par ES Explorateur. Vous n'avez pas besoin du route. C'est une bonne nouvelle. Donc il vous faut un gestionnaire de fichiers et un extracteur euh, zip. Ou rare, parce que je ne sais pas sous quelle format sont les OBB, donc je vous conseille WinRAR. Donc vous ouvrez ES Explorateur. Normalement, si vous l'avez installé via Play Store ou via aptoid les fichiers OBB sont déjà placés dans les dossiers. Donc vous allez dans Stockage interne, Android, OBB. Voilà. Et Common Game 505 Terraria. Donc ici, il y a vos OBB. Donc ça, c'est l'ancienne version, hein. 11.333 comme ici, vous le voyez. Et nous on s'intéresse à la dernière version. Donc euh, là c'est écrit 12714 mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de nouveau OBB depuis cette version. D'accord Donc la version actuelle est la 12785. Voilà. Donc là c'est 12714, là c'est nous maintenant c'est 12785. Donc tout ce qu'il vous faut faire c'est faire ouvrir avec WinRAR ou faire avec ES explorateur trois petits points, ouvrir comme ou alors tout simplement comme c'est un fichier inconnu avec un point d'interrogation, vous cliquez, vous faites autre. Et puis vous allez tout en bas, généralement rare en bas, hein, vous ouvrez avec Winrar. Voilà. Donc ici vous voyez, vous avez euh, votre. Donc si jamais ça ne fonctionne pas avec votre gestionnaire de fichiers, vous ne pouvez pas sélectionner ouvrir avec. Vous allez dans Winrar lui-même. Et puis vous gérez vos dossiers, vous allez dans Android OBB Data et vous ouvrez. Et vous voyez, vous avez trois dossiers ici. Voilà, ouais, trois dossiers. Hop, sound, musique, boss. Ces trois trucs-là, vous les extrayez dans le dossier. Hein, donc généralement, c'est déjà configuré pour. Vous faites OK. Il va extraire très rapidement, il n'y a pas grand-chose. Qu'on va attendre. Ouais, création de nouveaux fichiers. OK. Alors, euh, dans certaines versions, il y a un patch aussi. Oh, pardon. Il y a un patch, donc voilà, on va regarder, je, je vais vous montrer, un hein, Android, OBB, un Game 500 Terraria, pardon. Donc ici, c'est le fichier qui a été téléchargé. Hein. Donc là, c'est l'autre. Oula. Là, c'est l'autre. Et surtout, sur WinRar, vous cliquez pas simplement dessus, vous restez appuyé. Donc sur certains, il y a un patch, comme moi. Vous faites ouvrir en tant qu'archive, tout en haut. Et voilà. Et vous extrayez pareil. Donc vous faites à la place de l'application, vous faites vous-même l'extraction des fichiers au bébé. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin de WinRar. Vous allez sur ES. Et ici, vous avez vos deux dossiers. Voilà, avec vos sons, musique, fond. Donc ça, en fait, c'est ce que l'application la, a besoin pour fonctionner, en fait. Donc elle vérifie si tous les sons, tous les machins sont inclus. Donc c'est impératif de l'avoir. Donc voilà. Et moi, ici, le patch, ça complète la version premium, vous voyez. Il y a tous les trucs qui manquent et les Sound. Donc, ce que vous allez faire, c'est que moi, comme CES Explorateur, je peux ouvrir deux fenêtres. Hein, mais vous, vous copiez bien sûr d'abord ce qui est à l'intérieur. Soit vous copiez tout le dossier pour le mettre dans le même endroit. Et après, sortir du dossier. Vous faites comme vous voulez. Moi, dans ce cas-ci, j'ai une deuxième fenêtre. Donc, vous allez cette fois-ci dans Android Data Command Game. Et puis, vous décompressez tout là-dedans, en fait. Vous copiez, collez tout dedans. Donc, ça veut dire que vous ne mettez pas dans les dossiers, vous ouvrez tous les dossiers, vous copiez chaque fois la partie qui est dedans, directement dans le dossier là. D'abord, vous faites ce, ce dossier là, et ensuite vous venez écraser les fichiers qui ont déjà été copiés avec le patch. D'accord Donc, c'est d'abord le patch normal, puis euh, le main, et après le patch. Si vous faites le patch avant, vous allez supprimer des fichiers du patch et vous n'aurez pas la version complète. Donc faites d'abord main, puis ensuite patch, et vous faites écraser les fichiers. Et une fois que c'est fait pour tous les dossiers, hein, vous faites comme ça, tout sélectionner, copier, coller, vous pouvez supprimer les deux dossiers qui ne sont plus utiles. Flac. Et une normalement, vous aurez ça. Donc d'abord les fichiers images, inconnus, et puis ensuite tous les musiques et vidéos. Vous pouvez quitter complètement les applications. Et puis là, Terraria va vous mettre « No download required » et il va démarrer comme si de rien n'était. Donc vous n'avez plus besoin d'application secondaire. L'autre peut fonctionner tout à fait convenablement. Sauf que le seul souci, c'est qu'il risque de remettre l'erreur dans, comme dans la première vidéo. Donc... Euh, fins the data hein. Comme ceci je vais le montrer di en direct hein, Pour ceux qui veulent avoir l'option Jour, nuit, mettre les ailes, désactiver les ailes Enfin bref Donc je l'ai désinstallé et réinstallé l'appli Donc par exemple Bon ici je vais en télécharger une hall hein, Comme sur le tutoriel que j'avais fait avant euh... Celui que j'aimais bien c'était wall Carrier Et Handsome Warrior Donc je prends les deux And some wire voilà. open open, voilà donc euh, j'ouvre celui-là, peu importe. Voilà, il charge Terraria. Bon, là il va charger un petit peu, c'est normal, c'est le temps qu'il copie tous les fichiers sur mon téléphone hein. donc ne vous en faites pas. Ça vous généralement euh, Cloud of fin external au BB Data et mince. Il me met la même erreur. Mais oui, parce que les trucs n'ont pas été extraits sur le. Mince, j'ai oublié. Oui, si vous venez d'installer l'application Launcher for Terraria, il va falloir faire la même chose. Mais dans le truc comme Google et le Play, machin, bidule, truc muche. Mais... Maintenant, je sais plus comment c'était rangé aussi. Android, Data. Comme il Play Assistant, Terra, 0. File, voilà. C'est là. Donc là il y a tous les trucs. Ok. Tout sélectionné. Coupé parce que je n'ai plus besoin là du coup. Hein. J'ai mal rangé. Coller. Écraser. Voilà. File je sais pas. Bon, pour ceux qui voulaient juste savoir comment on fait pour la première, vous pouvez quitter la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like. Hein. Tandis qu'aux autres, eh ben, on va essayer ensemble de résoudre ce problème. J'espère que ça fonctionnerait et qu'il ne faut pas me mettre dans les dossiers. Et voilà, c'est génial. Donc il démarre. Sublime. Vous voyez en fait il faut juste copier-coller les dossiers quoi. Les fichiers dedans, il hein. n'y a rien de compliqué. Et voilà le travail. Maintenant vous avez votre petit truc de triche ici. Et euh, vos trucs que vous avez téléchargés. Par contre, j'avais Tristan Cazy. Hein. Mais lui il le retient pas parce que c'est dans l'autre jeu, le Tristan Cozy. Mais bon c'est pas grave. Par contre, le truc option, je sais pas pourquoi il fonctionne jamais sur ce jeu. Je sais pas si c'est la capacité de mon écran qui n'inclut pas le truc dedans. Mais bon, voilà. Donc vous pourrez mettre jour, nuit, ajouter des ailes, etc. Donc voilà. Je, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et d'avoir mis euh... un like si vous en avez mis un. Ce serait vraiment sympa. Et du coup ben à la prochaine pour sûrement peut-être d'autres vidéos